Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour le 43ème épisode de Golden Sun Âge Perdu. Donc je suis ici tout simplement parce que j'ai oublié quelque chose. Vous allez rapidement voir quoi, donc c'est ici. Et j'ai regardé sur Golden Sun World pour les jeans qui me restaient. Et j'ai vu qu'il me manquait un jean de Mercure. Je savais pas trop où il était, j'ai comparé avec les jeans que j'avais, j'ai vu que glace je n'avais pas et j'ai regardé sa position. Mais il se trouve ici, au sud, totalement au sud de Gondowan. Le concentre de Gondowan, donc je l'avais oublié, mais j'ai bien fait de regarder. Comme ça maintenant on a tous les jeans de Mercure, il manque plus qu'un seul jean maintenant à présent, et c'est un jean de Jupiter. Et celui-là, bon, c'est sûr, il est à l'endroit où on doit aller, parce que j'ai fait cet épisode, je l'ai déjà fait, sauf que ma voix n'a pas été enregistrée, et donc là je suis obligé de recommencer, hein. Je vais pas faire un épisode où il n'y a pas de voix, quoi. J'ai commencé en commentant, donc je vais finir en commentant, hein. C'est ce qui est logique. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite, là je vais faire la forge à Yalam et tout, là je vais faire une nouvelle escalibure, je vais vendre tout ce qui me sert à rien en équipement et tout pour gagner pas mal de fric et tout, et on se retrouve juste devant là où on doit aller, donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout ce que je voulais là, j'ai gagné plein de fric. Ah mais vous pouvez pas le voir là. Ah si, voilà. J'ai 140 000 pièces d'or. Je me suis refait. J'ai vendu pas mal de trucs. D'équipements qui ne me servaient pas à grand chose. J'ai mis Excalibur à Pierce, comme ça son attaque a vraiment bien augmenté. J'ai vendu vraiment tous les équipements, toutes les épées, tous les trucs qui me servaient vraiment à rien. Ah, j'ai oublié un sabre, bon c'est pas grave. Au moins j'ai gagné pas mal de trucs avec ce que j'ai vendu, et donc non, je crois que c'est pas par là. C'est par là, vraiment. Et donc maintenant je suis prêt pour cette île. Okay, cette île qui est bien entourée de cailloux et tout là, de pics. Enfin de une sorte de chaîne de roc. Et donc voilà, nous sommes arrivés. Donc c'est l'île au trésor, donc il y a pas mal de trucs ici, donc ah, j'ouvre les coffres mais juste pour les ouvrir, mais il n'y a rien dedans en fait. Il y a juste dans une salle, il y a la dernière là, c'est tout à gauche, il y a des trucs dedans. Je vais quand même les ouvrir pour vous montrer qu'il n'y a rien du tout. Et là il y a des trucs, pas grand chose, mais il y a des trucs quand même. Et c'est intéressant de découvrir des trésors dans les RPG, quoi. Bon, les ennemis sont pas très forts ici. Ce que j'avais vu la dernière fois, ils sont pas très forts, j'avais bien géré. On va voir si je vais bien gérer dans cette fois là. Ah, les énigmes sont pas très compliquées ici, donc ça va. Ouais, j'ouvre tous les coffres parce que j'ai vraiment envie de les ouvrir, même si il n'y a rien dedans pour la plupart. Mais je préfère les ouvrir. Okay, ça porte bien son nom, l'île au trésor. S'il y a plein de coffres partout. Ouais, là on va s'équiper de pulvériser. Voilà, comme ça on peut passer par là. Voilà. Ah ouais, ici je m'étais un peu bloqué, on va dire, enfin pas bloqué, mais j'avais pas compris tout de suite ce qu'il fallait faire, mais c'est facile. En fait faut faire comme ça, ce truc il s'est relevé, mais comme ça je vais le répéter, je vais le refaire couler. Et ensuite avec déplacé, je le remets vers la gauche. Et le truc il va revenir. Et moi je fais le tour et je vais pouvoir passer. Voilà. C'est vrai que la première fois je l'avais pas vu quand j'ai fait le premier essai de cette vidéo, de cet épisode 43, et que ça a foiré, quoi. Bah, j'étais un peu bloqué ici, pas longtemps, mais je n'avais pas saisi tout de suite ce qu'il fallait faire. Alors là je crois qu'il faut prendre le tout dernier si je me souviens bien. On va voir ça.
à un golem de fer. Il est parti rapidement, le golem de fer. Ah, comme ça, ça fait un petit passage. Je regarde. Ok. Donc on passe par là. Oh, c'est pas très très compliqué quand même cet endroit. Je trouve qu'on a déjà eu beaucoup plus compliqué au niveau des énigmes. Dans ce Golden Sun 2, il y a déjà eu beaucoup plus compliqué. Un bracelet Joker. Booste les PP. Bah tiens, pour Lina. Voilà. Cette salle, elle est faite. Voilà, tranquillement, facilement, on va pas trop galérer. Là bon, bien sûr, des trucs avec des couloirs comme ça. Et ah, mais un coffre. Ah, moi je veux les coffres, hein. il me faut les coffres. Voilà, ça fait mal. Ah, une mimique. On va essayer de la finir très rapidement. Ah, il l'a fait qu'une fois. Oh, c'est bon, il est mort. Oh, on a eu du pain. Alors, on va lui donner à Pavel. Pour augmenter son maximum de PV, qui sont bientôt à 1000. Ah, parce qu'on peut dépasser les 999. C'est vrai que certains RPG ne le font pas. Et sur Golden Sun, on peut dépasser les 999. Je crois que le maximum c'est 1999, je crois. Me semble-t-il. Ok, non, c'est bon. Là, en fait, il n'y a rien à faire. Soit on est revenu sur la même salle. On va plus prendre vers le haut. Ça nous ramène exactement. Quoique, est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié ou pas? Je regarde s'il n'y a pas des coffres. Excusez-moi, je regarde s'il n'y a pas des coffres. Je suis vraiment désolé, mais je veux vraiment m'assurer qu'il n'y a rien du tout. Ah voilà. C'est bien ce que je me disais, qu'il y avait un truc qui me manquait. À forger, et c'est pas un truc intéressant. De toute façon, le plus intéressant c'est quand même le Royal Code, matière sombre. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant en termes d'armes et d'équipement, même si la matière sombre c'est maudit. Donc faut vraiment avoir l'anneau clérical pour pas avoir de soucis. Et heureusement, bah, on l'a eu dans Golden Sun 1, et c'est Pavel, enfin c'est Garrett qui l'a. Il a tous les trucs maudits. Ça a été soulevé là. Non, c'est Garrett qui l'a. J'ai pas trop le choix là. Encore un coffre, on en trouve pas mal. Hein. C'est en même temps, c'est l'île au trésor. Hein. Par contre, les monstres sont pas très forts. Hein. Mais en même temps, j'ai bien XP quand même. Ok, donc là, je crois que... De toute façon, faut aller là, mais je crois que là, le... On va prendre le milieu peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel il faut prendre. Alors on fait le milieu. Ouais.
Pour le jean en tout cas c'est milieu. Enfin ça marche en tout cas. Non c'est par là. Faut arriver derrière lui. Si on peut pas sauter s'il est là. Le dernier jean. Enfin, juste le dernier jean, donc enfin on va avoir les 72 jeans. Ce qui est quand même énorme. Hein. J'ai vraiment, voilà. Ça m'a vraiment pris du temps quand même de faire ce jeu. Et d'avoir tous les jeans et tout. Surtout qu'il y en a beaucoup plus que Golden Sun, mais du nom quoi. Dans Golden Sun premier du nom, il y en avait que 28. Et là, avec les 28, il y en a, ça en fait 72. Je sais pas combien il y en a dans, vraiment qui viennent que de Golden Sun 2. Mais bon, il y en a beaucoup plus que dans Golden Sun premier du nom, ça c'est sûr. Ça fait quoi là, ça fait 72 jeans. C'est énorme quand même, c'est énorme. Voilà, j'ai du mal à avancer. Donc là on va essayer de prendre le coffre. Voilà. On a une lame rouge qui sont vraiment moins puissantes que ce que j'ai. Et bon, ça va me servir à la revente. Et là je crois que je vais ressortir pour réinitialiser le truc. Je sais pas si... je vais tester par là. Ah ils font quand même plutôt mal les mecs. Ça c'est pas mal, mais je vais pas les affronter parce que voilà. Il me rapporte pas beaucoup de points d'XP, enfin je veux dire des trucs intéressants d'XP. Ouais c'est par là. Ah normalement c'est ça je crois. Je m'en souviens plus trop là. Ouais non si c'est ça voilà. On a pas trop galéré là. Ah oui non je crois qu'en bas c'est pour faire le raccourci donc on le fait quand même. Voilà. Et maintenant on peut continuer en haut. Encore des chemins. Ok par là on peut pas. Ah bah voilà, on est arrivé. Je vais faire ma petite sauvegarde. Ouais, on va sauvegarder là. Je vais faire une petite ellipse, je reviens. Donc voilà, on va se préparer. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Je vais préparer les jeans pour les invocations dans les deux groupes. Donc je vais surtout faire avec Garrett et Pavel et un peu de Pierce. Et j'en gardais certains genre ombre qui peuvent servir. Voilà, je garde ces jeans là. Enfin, j'enlève ces jeans là. Je vais l'enlever aussi là. Je garde Granit, enfin je garde les jeans de protection, comme ça peut vraiment servir. Bon, je vais la garder un peu comme ça. Ouais, je vais mettre ça, je vais utiliser ces jeans.
je re-sauvegarde et on va pouvoir affronter le boss. Donc voilà, j'ai fait une petite coupure sur le combat contre le boss, il s'est mal amené là. Pourtant la première fois quand j'avais fait la première fois la vidéo, j'avais pas galéré du tout, je l'ai fait comme ça en 2-2 et tout, mais j'ai pas trop fait chier. Mais là j'ai vraiment du mal, ça me fait ça en aura dès le début, donc mes attaques ne servent à rien. Donc c'est un peu chiant, donc là je vais pas faire les invocations tout de suite. J'ai mis les potions voilées à Ivan, comme ça il agira le plus vite possible. Et voilà. Donc c'est ce boss là, il peut attaquer deux fois par tour, mais en plus il a une boule qui font chacun un effet, soit qu'il attaque, soit qu'il mette une aura, soit qu'il soigne, donc c'est un peu chiant. Je vais surtout attaquer la boule aura, la boule d'air. Je vais faire ça, ouais, il fait son aura. Quand j'aurai buté sa boule verte, je préfère les invocations. Mais il peut aussi rappeler des boules avec l'appel secret. Il faut faire attention. Ah, j'aurais peut-être dû faire ombre. Voilà, comme ça je vais pouvoir faire des invocations. Bon, il fait prière mage, mais j'ai pas fait trop de dégâts. Ok, il a deux boules bleues. Donc il peut soigner doublement dans le tour, mais il peut plus se protéger. Là, c'est pas possible, il peut pas se protéger. Allez, potion voilée, les voilà. Et je vais faire ombre, pour être sûr. Ouais, je sais plus si j'ai dit, mais il y a le thème de combat de Salamandar. C'est vraiment une bonne musique. Voilà, on va faire péter les invocations pour niquer les boules, en espérant qu'il n'y a plus de boules aura. C'est pas appelé jusqu'à 4 boules maximum, mais il peut toujours appeler les boules aura. Bon. Tant qu'il n'y a pas les boules aura, il peut pas se protéger de toute façon. Mais avec les boules bleues, il peut se soigner. Ouais, 1209, c'est pas mal. De toute façon, plus on niquera de boules, plus il usera d'action pour les rappeler, mais il ne pourra pas attaquer s'il fait ça. Oh putain. Avec ses chiens, il a récupéré beaucoup de points de vie. Oh que 722. Ah, c'est de la merde. Allez, boule rouge, c'est pas grave. Allez, Ores. Ouais, 1626, c'est pas mal ça. Ouais, il a perdu des boules furie. Ah, la boule verte. Oh, ça va, il l'attaque. Ah oui, encore le missile de Dédale. Oh, 1411. Ah, Dédale, c'est vraiment une bonne invoque. Protectorat, ah ouais. Oh. Ça va pas lui faire grand chose. Ah zut, j'ai gâché mes actions. Ouais. Je crois que là, je vais attaquer la boule. Oh putain, faut que je nique rapidement la boule bleue. Ah que ça. Ah, prière mage. Ah, oh, c'est pas facile ce boss. Il est mort. Ah, il refait appel secret. Oh mais non, mais il gâche tout mon action. Ouh.
gâche toute mon action. Hein. Ah, appel secret. Allez, apocalypse. Ouh. Il est pas vraiment évident ce boss. Hein. Je dois le dire qu'il est vraiment pas évident. Voilà, il a perdu pas mal de points de vie. C'est pas mal. Il a appelé la protectora, là. Enfin la boule aura. C'est granit au cas où. Ouais, j'aurais été sûr qu'il allait lancer la protectora. Moi j'ai mon aura aussi. Elle est franchement pas évident ce boss. Hein. Mais j'avais mieux géré la première fois quand même. Je dois avouer. Oh, il fait double appel secret. Je vais appeler. Cilia. Par contre elle est faible. Hein. On va pousser la défense du groupe. On va utiliser. Ah j'ai pas encore flash. On va duper l'ennemi. On va utiliser Thor. On va encore utiliser Thor. Ça, ils sont assez rapides donc ça devrait aller. Allez Cilia. Ouh l'enfer. J'espère que Cilia va attaquer rapidement après. Et pas crever. Appel secret. Ça il attaque pas. Allez Thor. C'est vraiment chaud cacao là. Ah bon on l'a vaincu. Ah il y a encore une boule. Je l'avais pas vu. Voilà, on l'a eu. Ah, c'était vraiment chaud. J'ai mieux géré la première fois, mais là, bon, j'ai quand même géré, vu que j'ai vaincu. Parce qu'il n'est pas forcément évident avec ses boules. Il faut vraiment avoir un bon niveau aussi, parce que sinon, on se trouve rapidement en fait submergé par ce boss qui va nous défoncer la gueule avec tous ses boules, qui va se protéger. Faut vraiment anéantir les boules bleues et vertes. La boule aura et la boule d'air. Parce que... Ah, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il fallait, mais c'est pas grave. Je crois que c'était 4 djinns de Vénus et 4 djinns de Mercure. On va tester ça. Et on s'arrêtera là. Franchement, voilà. Le boss, le combat a été intéressant. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. J'ai quand même bien géré. J'ai un peu galéré, mais je... Mais la première fois, je l'ai mieux géré. Et comme par hasard, c'était la fois, bien sûr, où ma voix n'avait pas été enregistrée. Ah, c'est normal, quoi. C'est le moment où je gère le mieux. C'est pas enregistré. Enfin, c'est enregistré, mais ma voix n'est pas enregistrée. C'est dommage, même. Au moins, j'ai pu le rebattre. C'est le principal. Je vais vous montrer Azul. Ouais, donc 3 djinns de Vénus et 4 djinns de Mercure. Non, on va plutôt utiliser Pierce pour sa invocation là. Ouais, bon, je la trouve pas forcément très belle cette invocation, mais... Mais ça va, c'est sympa. Je vais pouvoir associer tous mes djinns. Voilà. Et on peut s'arrêter là, enfin. Cette fois, ma parole a été enregistrée. J'ai un peu vu, maintenant ça enregistre. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode numéro 43 de Golden Sun, l'âge perdu. On a enfin vaincu le magicien, qui est un boss assez chiant. Pas le boss le plus puissant. Il y a encore un boss qui est encore plus puissant que ça. Voir, enfin on va voir comment je vais gérer contre lui.
Mais il est chiant avec toutes ses boules, ce boss, hein, le magicien. Surtout ses boules qui le protègent. Vaut mieux lancer les grosses invoques ou attaquer les boules séparément et tout avant de s'attaquer au magicien. Ça... Ben, c'est tactique, quoi. Faut un peu réfléchir et tout. Faut bien agir. Et après, ça passe en lui envoyant les grosses invocations dans la gueule qui font en général plus de 1000 de dégâts. Et comme il a moins de 10 de HP, ça le tue plutôt rapidement. Quoi. Enfin, voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 43 de Golden Sun l'âge perdu et donc moi je vous retrouve pour la suite de Golden Sun l'âge perdu et aussi de FF9, même si FF9 comme je vous dis je vais pas le mettre en pause mais je vais un peu le ralentir et mettre tous les jours un épisode de Golden Sun jusqu'à arriver à la fin de ce jeu. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et donc voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de Golden Sun l'âge perdu.